Le conflit à Gaza suscite des manifestations des opposants, mais aussi des partisans de l'offensive israélienne. Ici à Tel Aviv, quelques 300 personnes s'étaient rassemblées samedi soir pour dire non à la guerre et oui à une solution diplomatique, à un État palestinien et à la levée totale de l'embargo sur Gaza. Une autre manifestation a rassemblé quelques dizaines de personnes, drapeaux israéliens en main, favorables pour leur part à cette opération qui vise à mettre fin aux attaques du Hamas. En Turquie, les rassemblements pro-palestiniens se sont poursuivis, notamment à Istanbul. Vendredi, le gouvernement israélien avait déjà décidé de réduire son personnel diplomatique au minimum après de violentes manifestations contre sa politique. Enfin, en France, la colère contre Israël s'est aussi exprimée, notamment à Paris. Bravant l'interdiction des autorités, des centaines de personnes se sont rassemblées. Une manifestation qui a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. 38 personnes ont été interpellées.